Quel réglage devez-vous effectuer sur votre smartphone avant de filmer? Tout d'abord, assurez-vous que le mode avion est bien activé. Dans vos paramètres ou vos raccourcis, cliquez sur l'icône avion. Ainsi, si quelqu'un vous appelle pendant votre enregistrement, vous n'aurez pas à refilmer votre film. C'est quand même beaucoup plus utile. Ensuite, pour stabiliser l'image directement dans le logiciel, cliquez sur l'appareil photo, les paramètres, et recherchez la fonction « Stabilisation vidéo ». Activez-la directement à partir des paramètres. Ensuite, la grille de composition. Il faut également l'activer pour pouvoir mieux cadrer. Toujours dans les paramètres de l'appareil photo, cherchez la fonction « Grille ». Vous pouvez ensuite visualiser cette grille et cadrer par rapport à elle. Ensuite, la balance des blancs. Très important pour avoir une lumière naturelle. En mode automatique, la balance des blancs va s'équilibrer automatiquement. Vous pouvez également passer en mode pro et avec la fonction WB, vous pouvez, en fonction du type de lumière, soit intérieur, soit nuageux, modifier cette balance des blancs. Vous pouvez même obtenir des effets artistiques en choisissant vous-même votre luminosité. Enfin, vous pouvez faire la mise au point sur l'objet que vous filmez. Il suffit de fixer l'objet, puis avec votre doigt, de cliquer sur l'écran en le touchant deux fois. Vous verrez apparaître un cercle. Comme ceci. Une fois la mise au point effectuée, vous pouvez filmer